What's up guys, it's your girl, it's been 2 I am back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo review. Avant même que je commence, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Superb Wig. Comme d'ailleurs le nom de leur compagnie se nomme. En fait c'est une compagnie qui vend des perruques, ils vendent des mèches, ils vendent des rallonges, et ils vendent plusieurs produits. Je vais mettre leur lien en barre de description. C'est tellement bizarre de filmer sans mes fossiles. Genre, j'ai l'impression qu'il y a juste quelque chose qui manque à mon visage. Bon, alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas bleach la perruque, tu sais, je vais pas faire en fait tout ce que je fais d'habitude. La vidéo d'aujourd'hui est assez différente pour plusieurs raisons valables. La première, déjà pour commencer, c'est le fait que cette perruque, je dirais que c'est un peu comme la nouvelle génération de perruques, ok, qui s'en viennent. Je sais que c'est dit bizarrement, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, ce type de perruque que j'ai sur ma tête, ça s'appelle un HD lace front, comme le nom le dit, haute définition, ok, une lace en haute définition. Tu sais, c'est pas juste un nom, on appelle ce genre de perruque là comme ça parce que en fait la lace elle est tellement transparente que t'as pas besoin de bleach la perruque, t'as pas besoin de faire des trucs vraiment extraordinaires pour rendre la perruque belle. Littéralement tu poses juste ça sur ta tête et c'est déjà comme parfait, c'est déjà beau. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai accepté ce partenariat là, parce qu'en fait ce type de perruque là est en train de prendre en expansion, je sais pas si c'est le bon terme, mais ça devient de plus en plus populaire. On voit de plus en plus d'artistes sur Instagram promouvoir ce type de perruque là. Alors je me suis dit que ça c'est vraiment l'opportunité idéale pour vous venir vous présenter en fait ce type de perruque là. Avant que je rentre plus profondément dans le sujet, je vais quand même vous montrer comment j'ai appliqué la wig. Je vais vous montrer en fait qu'est-ce que j'ai fait pour arranger la perruque, etc. En vrai j'ai pas peigné la perruque, okay, j'ai juste passé mes mains entre les boucles et ça m'a donné le résultat que vous avez vu au début de la vidéo. L'intérieur de la perruque, c'est vraiment l'intérieur classique, ok, les deux épingles sur le côté, un en avant et un en arrière. Mais ce qu'il y a de plus avec cette perruque là, c'est que c'est ce que je suis en train d'attraper là, t'as ça de plus. Ok, c'est pour vraiment comme serrer la perruque sur ta tête si jamais elle est trop grande. Là maintenant je vais vous montrer l'avant de la perruque, c'est hyper naturel, oh my god. J'ai pas arraché de cheveux, rien, ok, c'est venu comme ça. Si vous commandez, c'est comme ça qu'ils vont vous envoyer, c'est eux-mêmes qui vont travailler la perruque, c'est pas à vous de faire ça. Et en même temps, je peux profiter pour dire, regardez à quel point la lace elle est transparente, alors que j'ai même pas bleaché, j'ai pas mis de produit, j'ai rien mis du tout. Ok, là maintenant je vais montrer comment je colle ma perruque, c'est vraiment comme la manière classique. Après si vous voulez mes produits, je vais les mettre en barre de description si jamais vous savez pas où acheter. Moi je mets la colle en fait sur mon front et pas sur mes cheveux parce que la colle peut arracher vos cheveux. Je sais il y a beaucoup de gens qui sont toujours dans ma section commentaire à dire Bintou non ta perruque elle est trop sur ton front, girl. Tu veux que le devant de mes cheveux s'arrache? Non, ok. Mais si vous voulez mettre ça sur le devant de vos cheveux, vous pouvez. Mais moi, je vous conseille pas vraiment de faire ça. Puisque j'ai pas mis de produit pour bleacher la perruque et tout, je mets du fond de teint pour rendre ça naturel, pour que la lace elle ait un peu une couleur brun. C'est pour vous donner un effet encore plus naturel. Moi, je préfère comme ça. Mais après, si vous êtes clair ou même blanche, je pense même pas que vous avez besoin de faire ça parce que c'est à ce moment-là que la perruque, elle est, la lace, elle est transparente quoi. En fait, j'ai zoomé pour que vous ayez plus de facilité à voir la devanture des cheveux. Moi, je faisais un peu n'importe quoi. J'étais en train de décoller parce que je voulais vous montrer comment le hairline il est, comment le devant il est super naturel. Non, mais regardez, c'était de loin, ça se voit vraiment pas, c'est invisible carrément. Et si vous savez bien faire vos baby hair, ça va moins se voir. C'est juste que moi, je suis paresseuse là. Et si vous voulez en fait que la perruque elle ait l'air moins sec et tout, vous avez littéralement juste à mouiller et c'est tout. Vous allez avoir l'effet que j'avais quand j'ai pris ma photo sur Instagram. Vous avez juste à mouiller et ça va tuer l'effet sec et tout. Et si vous avez des produits
Tu sais, pour les cheveux crépus naturels, vous pouvez ajouter à ça, c'est encore mieux. Malgré toutes les manipulations que j'ai fait, voilà en fait toutes les cheveux qui sont sortis de la perruque. Et j'ai même pas peigné la perruque en fait. Et regardez tout ce qui est sorti. Moi, je vous conseille pas du tout de peigner ce type de cheveux là, ok? Moi, j'utilise ma main pour démêler ce genre de choses là. C'est vraiment dans des cas extrêmes que je vais prendre une brosse pour peigner, mais je vous conseille pas de faire ça. C'est des cheveux frisés et j'ai l'impression que comme c'est facile, en fait ça s'abîme facilement. Et la perruque elle est faite avec des human hair, donc tu sais, t'as besoin d'entretenir ça, tu dois faire attention à ça. Carrément quand tu laves cette perruque, t'as besoin de shampoing, conditioner, comme si c'était des vrais cheveux quoi. Donc ouais, au pire des cas là, tu mouilles, tu mets un peu de conditioner et puis tu brosses et c'est tout. Mais sinon je vous conseille pas de jouer là-dedans avec un peigne et une brosse. En fait, Superb Wig, ils m'ont envoyé ma perruque avec DHL, donc je sais pas si vous avez des problèmes avec DHL. En fait, je préviens toujours c'est quelle compagnie qui va vous livrer vos produits et tout. Mon colis était supposé d'arriver vendredi, mais je l'ai reçu lundi à cause des intempéries de la semaine passée. Mais sinon, en général, si on vous envoie votre numéro d'identification et tout ça, et que vous traquez votre colis, toutes les informations en fait, que vous allez recevoir sont vraies. En fait, dans la boîte de la perruque, il n'y avait pas les fiches traditionnelles là, qui vous expliquent oh, comment tu es supposé d'installer la perruque, etc. etc. Non, il n'y avait pas ça, mais par contre, j'ai deux chapeaux de plus. Ça, c'est cool. Tu sais, avec la perruque, c'est sûr que le plus long, le plus cher que j'ai sur la tête, c'est 16 pouces. Faut pas que, aussi que vous oubliez que c'est quand même une perruque frisée. Donc 16 pouces, ça se voit pas vraiment. On arrive environ vers là, c'est quand même lent. En fait, cette perruque là, quand tu l'achètes, t'as pas besoin de bleacher. Ok, quand je dis bleacher, un autre terme, ça serait quoi? Blanchir. Ok, blanchir la lace pour que ça ait cette couleur là. Tu sais, on met les produits sur la perruque pour que ici soit invisible comme ça. C'est la seule raison de pourquoi on va se casser la tête pour mettre tous ces produits là dans les perruques avant de coller ça sur notre tête. Fait que la lace, elle est déjà en haute définition, elle est déjà comme toute bien faite. En fait, tu peux écarter tout le processus de devoir bleacher la perruque. Si tu peux carrément économiser de l'argent en faisant ça, moi je trouve que ça vaut le coup. Avant de terminer, je vais juste vous montrer comment c'est naturel. Mais wesh quoi. Dites-vous que j'ai même pas bleaché la perruque. J'ai même pas mis de produit pour que la lace devienne transparente. C'est arrivé et c'était comme ça. C'est quoi le travail d'avoir ce résultat là quand tu dois juste bleach toi-même la perruque? Moi c'est rare que j'arrive à comme atteindre comme un résultat pareil. Wesh, le bail on dirait c'est... mais regardez wesh, on dirait que ça pousse de ma tête. Non mais c'est trop bizarre quoi, ça c'est de la sorcellerie. Si vous avez quelque chose à me demander, demandez-le en commentaire ou venez juste en privé. La compagnie répond relativement vite au message. Faut pas oublier que c'est comme, tu sais, ils sont pas en Europe non plus. Donc, tu sais, le fuseau horaire est totalement différent. Anyway, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis trop contente de ce que j'ai réussi, wesh. Attends, oh non. Actuellement, je pense à faire une vidéo où je vais faire plusieurs coiffures différentes avec ça. Je sais même pas si ça va réussir. Il faut d'abord que j'essaye. Si ça marche, là, je vais faire la vidéo, ok? Parce que déjà, ça, c'est quelque chose qu'on me demande depuis août. Littéralement, je pense août et juillet, on me demande ça sur ma chaîne. Et j'ai pas encore fait cette vidéo-là, mais je vous promets qu'elle va venir d'ici décembre. Et que d'ici décembre, je vais passer cette vidéo-là. Je vais faire plusieurs coiffures, tu sais où, j'attrape ici. Bref. Ça va venir. Un gros merci à Superb Wigs pour avoir sponsorisé cette vidéo-là. C'est super cool de leur part. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. On va se voir next time. Alors comme toujours, gros bisous. Puis bye.